These guys Merci beaucoup, effectivement, merci d'être venu malgré le temps. Je suis ravi, effectivement, de présenter ce nouveau film de Kantemir Balagov. J'imagine que certains d'entre vous ont vu son premier film, Tess Nota, Une vie à l'étroit, qui était également Un certain regard il y a 2 ans, en 2017. Le film avait failli avoir la caméra d'or, puisque les jurés étaient plutôt pour, sauf ceux qui avaient estimé que les scènes documentaires de décapitation, qui étaient des vraies scènes, ne pouvaient en aucun cas être incluses dans un film de fiction, et donc des frictions ont eu lieu à l'intérieur du jury, et que c'est aussi une des raisons, la raison, c'est pas une des raisons, c'est la raison pour laquelle le film n'a pas eu de prix à l'époque. Néanmoins, le film avait beaucoup plu, le film a bien fonctionné en France, et donc rapidement, ce metteur en scène qui avait 24 ans au moment où il a tourné son premier film, qui avait fait des études de cinéma alors que rien ne l'y prédestinait, vu qu'il habitait à Nalchik, la capitale de la Kabardino-Balkarie, et qu'il n'y avait rien à faire à Nalchik, c'est dans le nord du Caucase, jusqu'à ce qu'Alexandre Sokourov vienne y ouvrir une école de cinéma, et que lui qui avait fait des petits films avec son téléphone, a évidemment demandé à voir s'il était possible d'intégrer cette école, qu'Alexandre Sokourov a trouvé que ce garçon avait beaucoup de talent, qu'il l'a fait d'abord travailler au niveau, j'allais dire, culturel et culture générale, parce que c'est aussi la démarche de Sokourov de ne pas montrer de film au début à ses étudiants, mais de leur faire lire un maximum de livres et de leur faire découvrir la peinture, la musique classique, de manière à leur insuffler une culture générale que généralement ils n'ont pas, avant d'aborder véritablement le cinéma. Et il est tombé dedans, une fois qu'il a eu découvert tout ça, il n'avait jamais lu Guerre et paix de Tolstoï avant d'arriver à l'école de cinéma, par exemple. Et puis une fois qu'il a eu fait son film, et que le film a eu le retentissement qu'on a connu au Festival de Cannes, le producteur de Zviagintsev, Alexandre Dniansky, l'a pris sous son aile et lui a proposé de financer son nouveau film, celui que vous allez voir maintenant, qui s'appelle donc Une grande fille, et qui est un film très particulier parce que c'est un film historique. C'est un film, je ne vais pas vous dévoiler évidemment l'histoire, mais vous allez voir parce que c'est le premier plan dont l'action se passe à l'automne 1945. C'est le premier automne qui suit la Deuxième Guerre mondiale. Et que cette idée de ce film est venue à l'esprit de Kantemir Balagov une fois qu'il a lu « La guerre n'a pas un visage de femme » de Svetlana Alexievitch, la prix Nobel de littérature d'il y a 2 ou 3 ans. Et qu'il s'est rendu compte, alors même que c'est la propre histoire de son pays, que l'histoire des femmes dans la Deuxième Guerre mondiale avait été capitale dans l'histoire de l'Union soviétique. Effectivement, de toutes les guerres modernes qui ont eu lieu, aucun pays n'a connu un investissement tel chez les femmes à l'intérieur d'un conflit. À la fois, évidemment, un investissement à l'arrière, comme souvent, mais aussi à l'avant, au front, où beaucoup de femmes sont allées au front. Et Kantemir Balagov a découvert cette histoire en lisant Alexievitch et s'est dit qu'il y avait là quelque chose, et matière en tout cas, à montrer une partie peu connue de l'histoire de son pays, tout en gardant évidemment une histoire totalement humaine de deux femmes que vous allez voir à l'écran. Ensuite, il s'est attelé à un casting, ce qui n'a pas été facile parce qu'il cherchait des gens qui soient inconnus, de manière à ce qu'il n'y ait pas de projection du spectateur vers une actrice ou deux actrices qui soient connues. Donc vous allez voir deux jeunes filles à l'écran dont c'est pour les deux leur premier rôle. C'est la première fois qu'elles jouent. Elles sont en train de devenir actrices. Elles sont dans une école pour le devenir, mais elles ne le sont pas encore. Elles ne sont pas encore diplômées. Vous reconnaîtrez peut-être, pour les plus perspicaces d'entre vous, celle qui jouait le rôle de la mère dans Tess Nota, Une vie à l'étroit, et qui joue ici le rôle de la voisine couturière. Et également une seule très grande actrice très connue en Russie qui s'appelle Ksenia Kutiepova, que vous verrez à la toute fin du film, dans une scène d'anthologie autour d'un grand repas. Pour cette histoire, il s'est adjoint le concours, et là vous allez vous en apercevoir vous-même, d'une chef opérateur, Tris, de 24 ans. C'est son premier film, avec une image absolument fabuleuse, des décors et une reconstitution historique qui sont tout à fait honorable, même plus que ça. Et c'est vraiment une œuvre relativement importante aujourd'hui en Russie, sachant que ce film n'a absolument pas été soutenu par le gouvernement russe d'aujourd'hui. Au contraire, le type de film que fait Balagov, de même que le type de film que fait Zviagintsev, ne sont pas généralement dans la ligne idéologique que le gouvernement russe d'aujourd'hui essaie de promouvoir. Et la manière
que Balagov a de montrer les séquelles de la Seconde Guerre mondiale ne correspondent pas, bien évidemment, à l'idée qu'effectivement veut promouvoir le gouvernement aujourd'hui. Sachant que, quand on se replace dans le contexte historique, il y a eu, parce que c'est l'Union soviétique qui a le plus souffert humainement de la Deuxième Guerre mondiale, 27 millions de morts. Hormis ces 27 millions de morts, il y a eu 12 millions de personnes déplacées qui ont posé un véritable problème économique et sociologique à l'Union soviétique au retour de cette guerre, parce qu'il y a eu une espèce d'exode inversé, sachant que toute la partie occidentale de l'Union soviétique avait été techniquement et logistiquement éprouvée par évidemment les conflits et les combats, et que la plupart des gens qui revenaient du front essayaient de se trouver du travail plutôt dans les grandes villes que dans les campagnes. Donc il y a eu un exode inversé extrêmement compliqué à gérer par l'Union soviétique, et des villes comme Leningrad, qui ont été des villes qui ont particulièrement souffert, notamment à cause du blocus de 900 jours, ont dû faire face à un flux massif de personnes qui ne savaient ni où habiter, ni où travailler. En 1946, il y avait 26 millions de sans-abri en Union soviétique. Le film n'en parle pas, mais je vous donne des clés historiques pour vous montrer à quel point, effectivement, le fond, l'arrière-plan historique peut jouer aussi sur la manière dont ces femmes reviennent du front. Et le retour de tous ces gens-là a été particulièrement compliqué, parce que tous ces gens qui étaient soit qui ont été faits prisonniers par les Allemands, soit qui ont fui la zone des combats vers l'ouest, soit qui ont été exilés par aussi un certain nombre de pour un certain nombre de raisons, quand ils ont fait demi-tour, Staline a vu ça d'un très mauvais œil. D'abord, Staline, dès 1941, avait estimé que toute personne soviétique faite prisonnière en Allemagne devait passer, enfin aurait dû en principe se suicider. Ça aurait été mieux, parce qu'elle pouvait être considérée comme déserteur, et la famille de cette personne qui avait été faite prisonnière de toute façon devait être exilée ou envoyée en camp. Ça, c'est Staline, c'est écrit dans le décret de 1941. Et que donc, quand il rentre en 1945, tous ces gens-là passent directement à l'interrogatoire du NKVD, l'ancêtre du KGB, et que sur le nombre de prisonniers allemands qui reviennent en 1945-1946, il n'y a que 18% d'entre eux qui vont pouvoir retrouver leur famille et reprendre une vie civile normale. 18%. Il y a 82% de ces gens-là qui ont été déportés, exilés, internés, enfermés dans les prisons et les camps, parce qu'ils avaient connu autre chose et qu'ils n'auraient jamais dû revenir. J'en profite pour faire une parenthèse si ça vous intéresse. Il y a 2-3 ans de ça, les éditions Potemkin ont sorti un coffret Grigory Tchoukhraï avec un film de Tchoukhraï, celui qui a fait la balade du soldat, qui est dans le coffret, qui s'appelle Ciel pur, et qui raconte justement l'histoire de quelqu'un qui revient et qui a été fait prisonnier, et la difficulté qu'il a de se réinsérer parce que le gouvernement soviétique ne veut pas voir revenir ces gens-là. Et donc, en dehors même des militaires qui reviennent du front, de ceux qui reviennent des camps allemands, des civils qui ont été déplacés et qui eux aussi ont connu un paysage occidental que l'idéologie soviétique pré-guerre décrivait comme des pays évidemment capitalistes et onis, tous ces gens-là étaient malvenus de revenir sur le territoire soviétique et qu'ils n'étaient pas du tout accueillis à bras ouverts. Ça aussi, c'est pas totalement dans le film, néanmoins ça vous donne une idée de l'arrière-plan historique. Bonne projection.